Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, une abonnée m'a envoyé une demande à propos d'une plainte déposée contre Brigitte Macron. Je vais vous résumer cette situation si vous n'en avez pas encore entendu parler. L'association destitution menée par David Van Emelric s'apprête à déposer plainte contre Brigitte Macron pour des allégations très graves. Cette action pourrait révéler des preuves, des photos et un passé de corruption. L'association se base sur l'article 227 alinéa 22 du Code pénal pour déposer cette plainte. Elle remet en question le consentement possible d'Emmanuel Macron, âgé de 14 ans à l'époque des faits présumés, et Brigitte Macron, 39 ans. David van Emmelrich va plus loin en expliquant que cette relation pourrait être la raison de la montée en puissance de Macron soutenue par des oligarques qui auraient ainsi un moyen de pression sur lui. Alors ce que je vous propose, eh bien ce n'est pas de regarder si les faits sont avérés ou pas, ça la justice s'en chargera c'est de regarder comment va évoluer cette plainte. Va-t-elle être recevable Va-t-elle être instruite Ce sont les questions que l'on va essayer de se poser. Et puis peut-être, on aura une, une idée du un dénouement de tout ça. Mais il n'y a pas besoin d'être devin, d'être voyant pour comprendre que ça va être compliqué. On peut se poser la question déjà de la réaction de l'exécutif. Souvenez-vous que Brigitte Macron avait déposé plainte contre Nata Charré et une voyante dont le nom m'échappe euh, mais ça c'est pas très grave euh, et que finalement Brigitte Macron a été déboutée. Donc vous voyez que l'exécutif peut mettre beaucoup de pression dans les plaintes mais ce c'est pas pour autant que ça va aboutir à chaque fois. Alors regardons Là, c'est l'inverse, hein. ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas Brigitte Macron, ce n'est pas Emmanuel Macron qui vont porter plainte, mais une association qui va porter plainte contre eux. Et on va poser une question très simple à l'oracle. Comment va évoluer la plainte de cette association de David Van Emelric Donc cinq cartes. Vous le savez, puisqu'il y a une évolution, la bonne réponse se tire avec un tirage en croix qui permet de voir eh bien, ce qui va pouvoir se passer, la carte de départ, ce qui va aller contre cette plainte, les tensions éventuelles, on verra bien, le conseil à donner pour faire évoluer la plainte dans le bon sens, la synthèse qui donne un petit peu le climat de cette plainte, et le résultat. Résultat non pas de la plainte, mais de comment elle va évoluer. Il y a une petite subtilité dans le choix des mots, et on va bien voir ce qui s'y déroule. Là, très curieusement, nous avons une carte mercurienne. Alors, ce n'est pas parce que Mercure se trouve au départ que c'est curieux. Mercure, vous le savez, c'est la communication. Ça tombe bien, une plainte, il y a de la communication. Et puis surtout, il y a de la communication autour de cette plainte. Cette plainte, on essaye de la faire taire, parce que nous avons ici la carte Volperte. On sent donc tout de suite beaucoup de pression, beaucoup d'étouffement autour de cette plainte. On pourrait dire, on a l'impression qu'en fait, on ne doit pas en parler. Alors bien sûr, nul doute, des... Des médias, je cherchais le mot, excusez-moi, des médias comme TF1, BFM ou d'autres. Ça va être compliqué pour en parler. On a presque l'impression qu'il ne faut surtout pas que ça fuite, pas que ça sorte. Et ça peut se comprendre. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on voyait dans le Times, dans le New York Times, dans plein de quotidiens à travers le monde entier, des, des articles essayant de parler de la sexualité de Brigitte Macron. Je fais attention au choix des mots afin déjà de ne pas influencer le tirage. Et puis, tout simplement parce qu'il y a, pour l'instant, un flou. Et quand je parle d'un flou, c'est au niveau euh, justice. Je fais toujours attention, c'est le choix des mots que la chaîne emploie, que j'emploie sur la chaîne, afin de ne pas avoir de problème avec YouTube. Je me suis déjà fait sanctionner, je suis prudent. Donc là, en fait, on est en train de parler tout simplement du fait que cette plainte contre Brigitte Macron est totalement étouffée. On essaye de la mettre sous couverture. Alors ce qui va aller contre, c'est déjà un début, hein, mais ce qui va aller encore contre cette plainte... Et vous voyez... La carte Inconstance, c'est une carte déjà émotionnelle, ce qui veut bien dire qu'on va laisser parler les émotions, et je vous ai toujours dit, les émotions, c'est quelque chose de préjudiciable. Quand on est sous le coup des émotions, on réagit trop, mal, trop vite, on finit par dire n'importe quoi, et c'est ce que cette carte a tendance à rappeler. Cette carte semble montrer que finalement, Attention à ceux qui vont agir sous le coup des émotions, et que certaines paroles tout autour de cette affaire pourraient porter préjudice à l'affaire, plutôt que sur le fond de l'affaire. Parce que si on regarde cette affaire, elle ne parle pas de la sexualité de Brigitte Macron. Elle parle de l'âge de Brigitte Macron. Ici, vous voyez, il y a un amalgame qui va être fait, parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, on essaie de mettre l'affaire sous le tapis, on essaie de ne rien dire, tout simplement parce que Brigitte Macron est dans le collimateur, ou plutôt dans le viseur d'une certaine presse autour du monde, certaines presse qui parlent de sa sexualité, est-elle transsexuelle ou non hein, C'est la... C'est la question des articles en question à travers le monde. Mais ici, ils vont se servir de ces articles-là pour discréditer cette plainte ici. Parce que cette plainte, elle ne porte pas sur la sexualité de Brigitte Macron. Elle porte sur un problème de l'âge. Y a-t-il eu consentement ou non d'Emmanuel de, Macron et était il en âge de donner ce consentement? Tout va être porté là-dessus, et le fait de faire un amalgame, le fait en fait de tout vouloir mélanger, va être un problème pour que cette plainte avance dans une forme de sérénité. J'espère bien m'avoir fait comprendre parce que c'est important, c'est très important. Parce que oui, finalement, cette plainte c'est qu'une question d'âge. C'est qu'une question d'âge, elle ne s'attaque sur aucun autre point. Si ce n'est qu'effectivement, cette plainte avançant, il pourrait y avoir des révélations sur la sexualité de Brigitte Macron. Mais comme on le dit dans l'article, elle pourrait aussi avoir des répercussions sur d'éventuelles ramifications au niveau eh bien, de, de moyens de pression d'une certaine oligarchie. Quel est le conseil autour de cette plainte Déjà nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est ce qui se met dans l'expansion, jour après jour, semaine après semaine. Et vu que c'est de la justice, mois après mois et voire année après année. Et là, elle nous demande, c'est d'observer, d'observer le roi, le roi Jupiter. C'est une carte qui invite à l'observation et de voir si son bonheur est toujours là. Parce que oui, cette carte, c'est la carte du bonheur. Mais c'est de voir, on est dans l'observation, c'est de bien observer ses mimiques, c'est de bien observer ses mouvements face à Brigitte Macron et de voir si finalement il n'y aurait pas une quelconque prise de distance. Vous voyez, beaucoup de choses se font dans l'observation. En fait, cette carte nous invite à être de petits mentalistes vis-à-vis -vis de la plainte qui va être déposée. Alors regardez bien ces cartes. Alors ce que l'on voit, en finalité, n'a rien de rassurant. Nous avons ici une carte lunaire. La lune, comme je vous le dis tout le temps, ce sont les émotions, c'est un petit peu tout ce qui angoisse. Et puis on voit au milieu la synthèse de l'argent. On a l'impression avec ces deux cartes combinées, un hein, synthèse résultat, qu'il y aura une sorte de tractation, mais de tractation cachée, discrète. N'oubliez pas le nom de la trahison, cette carte. Alors, ça ne veut pas dire que l'association va trahir, mais on a l'impression que quelque part, cette plainte, pour moi, elle n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas, il y aura une tractation derrière où on va essayer de, de verser des fonds, qu'on va essayer de d'étouffer tout ça encore une fois malheureusement. Je ne suis pas du tout optimiste pour que cette plainte fasse tomber Emmanuel Macron, ni fasse la lumière finalement sur une question bien légitime. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur ma boîte mail, utervoyant-gmail.com je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour les autres, et pour tous d'ailleurs, je vous donne rendez-vous à très bientôt.